Je suis en joie parce que ça a commencé. Maintenant, les informations commencent à venir de votre part pour que nous puissions informer notre communauté. Notre communauté ici, c'est le cadre dans lequel nous exerçons. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons à cœur. Question de cliquer. Je crois, Augustin, c'est au coin là où on a mis la cloche pour vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, nous constituons notre communauté. Nous sommes cette fois-là nombreux pour interagir. Soyons nombreux. Partageons les liens. Disons à nos amis, à nos connaissances, qu'est ici que nous allons réfléchir, en tout cas intelligemment. C'est ici, pas ailleurs. Mais aujourd'hui, on parle de quoi en réalité? Tous, nous avons suivi les arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux. Le numéro précédent, nous étions en train de regretter pourquoi nous connaissons le retard de l'investiture du chef de l'État jusqu'à l'installation des institutions. Nous perdons pratiquement 4 mois. Et nous avons incombé la faute à nos textes et lois que nous avions votés. Et là, la première responsabilité, c'est le Parlement avec ses 2 chambres. Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et voilà pourquoi, même si l'informateur pouvait sortir, déposer son rapport, même si le chef de l'État pouvait nommer le Premier ministre, même si ce Premier ministre-là pouvait sortir son gouvernement, le gouvernement ne serait pas investi tant que l'Assemblée nationale n'a pas le bureau définitif. Je commence par, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma province est l'Osankuru, mon Sankuru natal, l'Osankuru que j'aime bien. D'autres, la fois passée, disent à mon mentor, je ne veux pas vous citer mon mentor, « Non, mais Pascal... ne comprend pas le Sankuru. » Mais comment Pascal ne comprend pas le Sankuru? Né, grandi, tout fait là-bas. Comment il ne peut pas comprendre le Sankuru? Vous devez changer, ce n'est pas normal. Je suis parmi les gens qui parlent le Sankuru et qui défendent le Sankuru. Parce que c'est là que j'ai passé vraiment une partie de ma vie. Le résultat sort, les arrêts sont rendus publics. Il y a un cas, je commence par le territoire de l'Odja, Daniela Selokito Akoy a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Trop combattue, pour rien, et pourtant, trop aimée par la population. D'autres aussi, trop combattues pour rien, et alors qu'ils sont aimés par la population, comme Jules et Mongo, l'actuel gouverneur, je dis actuel parce que jusqu'ici on n'a pas encore organisé l'élection du prochain gouverneur, même si les candidatures sont déposées. Mais ils sont aimés, confirmés finalement par la Cour constitutionnelle. Ça c'est une bonne chose. La deuxième étape, nous allons parler maintenant de l'irresponsabilité. Leur irresponsabilité face à cette adhésion populaire à leur endroit. Mais j'ai aimé un point de vue de Daniel Asselo sur cette question. D'abord, le jour où l'arrêt est sorti, il a été agglutiné par ses proches. Il fallait lire la joie. Une joie responsabilisée, parce qu'il a une responsabilité. Et le jour suivant, c'est d'autres fils de Sankuru qui vont l'agglutiner, avec qui il a échangé. Mais le message était d'abord par ses fils de Sankuru à son égard, tel que les défis sont énormes. Mais à son tour également, il les a expliqués ce qu'il rêve de Sankuru et ce qui déplaît comme comportement parfois.
Et alors que nous avons la mission, je dis nous parce que je m'incline, moi aussi, la mission de bien travailler pour cette communauté. Au lieu de continuer, nous suivons d'abord le point de vue de Daniel Asselo lorsqu'il s'adresse à sa communauté. Battre campagne et être proclamé élu par la Commission électorale nationale indépendante est une chose. Monsieur Asselo Okito ou encore Daniel. Mais être confirmé par la Cour constitutionnelle est une autre chose. Accusé à tort à la plus haute instance juridique de notre pays par ses détracteurs concernant son élection à la députation nationale, celui qu'on surnomme Osankuru, espoir du peuple, l'honorable Daniel Asselo Okito Akoy est désormais parmi les 500 députés qui vont siéger pendant cette législature à la Chambre basse du Parlement. Telle est la décision de la Cour constitutionnelle qui n'est susceptible d'aucun appel car elle est tranche en premier et dernier ressort. Après la décision de la Cour, la résidence de l'honorable Daniel Asselo était au cœur d'un faubourg populaire cerné de militants, membres de famille, amis et connaissances venus célébrer à l'unisson la victoire électorale. Moment d'effervescence est terminé, l'honorable Asselo, entouré de son assistance dans sa langue locale, leur a parlé à cœur ouvert concernant les ennemis de la province du Sankuru. Poursuivant son adresse à ses sympathisants, Asselo n'a pas caché son ambition au sénatorial. L'un des membres de l'assistance, au nom de toute la base, a fait quelques recommandations à l'élu de Lodja. C'était avec satisfaction que chaque partisan était rentré chez lui avec espoir de voir leur champion dans de plus hautes instances de la République. Il a remercié le chef de l'État. Parce que il faut reconnaître que la province a voté pratiquement à 90% le chef de l'État. Sinon, pour ne pas exagérer, 100%, c'est une exagération. Au moins 90%, sans débat. Mais le défi, c'est à venir. Quand nous prenons les 49 cas invalidés, quelque part, ça démontre que le travail de la CENI aussi n'a pas été correctement bien fait. 49, c'est beaucoup. Il y a d'autres qui ont vu maintenant leur nombre baisser. Nombre de députés, nombre de sièges alors, c'est regroupement avec partis politiques. Et d'autres regroupements avec partis politiques ont vu aussi leur nombre de sièges augmenter. Et ça bouscule même le partage, parce que vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS, si vous parlez, honorable Augustin Kabuya, pour le partage de sièges, il faut tenir compte du nombre de sièges par regroupement, par parti politique. Et c'est là où Pascal n'est pas d'accord. Parce que les compétences, on peut les trouver même en dehors du Parlement. Ça ne peut pas être critère pour le choix des meilleurs d'entre nous Congolais. Non. Et nombreux savent qui est qui se retrouve finalement à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord avec ce critère. Mais c'est déjà demain, le 15 mars, la rentrée parlementaire, qui a deux missions essentielles. D'abord, un, élire le nouveau bureau, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Deux, investir le gouvernement. Bien sûr, il y aura d'autres lois qu'on va voter. Mais les premières missions essentielles et urgentes, c'est le bureau définitif et l'investiture du gouvernement. Et là, nous comprenons que bientôt, le pays sera fixé sur la personne qui va conduire le gouvernement et aussi l'équipe qui va composer ce gouvernement. C'est dans quelques instants. Mais le problème ici, nous nous posons sur quel genre d'homme, quel genre d'homme composé au gouvernement. Parce que le défi est énorme, parce qu'elle revient de temps en temps sur les défis sécuritaires, économiques. Je me limite à ces deux secteurs parce que sur le plan économique, on a le social et ainsi de suite. Mais si on n'a pas des gens qui comprennent le besoin réel de la société, on ne fera rien.
sait qu'on ne fera rien. Le choix doit être judicieux pour que ceux qui seront sélectionnés travaillent pour la nation. Il s'agit du deuxième mandat du chef de l'État. L'attente a été grande pour l'UDPS, grand parti politique, qui s'est battu pour le social des Congolais. Dans mes numéros passés, je vous démontrais l'effort déjà jusqu'ici, fourni par le chef de l'État. Il a fourni d'énormes efforts. Mais l'accompagnement parfois pose problème. Dans son entourage immédiat, et dans son entourage un peu éloigné, comme le gouvernement. Immédiat, ça veut dire que c'est conseillé, ainsi de suite. Des gens qui ne savent pas naviguer dans le temps avec lui, comprendre le besoin de la communauté de la même manière que lui. C'est comme ça que je plaide à travers mes interventions ces derniers jours. Il faut des gens qui ont fait le combat avec lui. Lorsque le chef dit ça, qu'ils comprennent effectivement ce que le chef veut dire, parce qu'ils ont été dans le combat. Mais lorsqu'on prend des gens qui parachutent, parce que simplement aujourd'hui l'UDP a le pouvoir, mais ils ne vont pas naviguer dans le même temps ensemble avec le chef de l'État. Qu'on tienne compte de ce paramètre, c'est le paramètre qui va nous permettre qu'il y ait une synergie de la compréhension des choses, de la conjugaison des choses entre le chef de l'État et le personnel qui l'agglutine. C'est là l'enjeu. Et voilà pourquoi il faut un choix intelligent. Qu'on ne fasse pas un choix purement politique, d'arrangement politique, parce qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, tel regroupement, mais il y a des regroupements qui, malgré qu'ils soient à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas la même vision que le chef de l'État. Or, c'est le dernier mandat. Sinon, je vais parler du deuxième mandat. Ce choix est important à ce stade. Ce critère est très important de mon point de vue. Parce que le chef lui-même l'a dit lors de l'investiture, pas d'erreur, nous devons veiller sur les erreurs du passé et les corriger pour qu'on ait un bon résultat, un résultat meilleur. Mais on aura un résultat meilleur comment? C'est par les meilleurs qui vont l'agglutiner. Mais si on prend encore les affairistes, c'est que nous n'irons pas loin. C'est que nous n'allons pas vouloir aller loin. Nous devons différencier en même temps. Dans ce choix, le politique du politicien. Le politicien, oui, bon, ils font carrière. Son politique, il ne vit pas. Son combat, c'est la politique. Oui, on va les trouver. On va les sélectionner. Mais n'oubliez pas les politiques aussi. Les politiques, c'est comme Pascal, c'est un politique. Il réfléchit politique. Dans le souci de la gestion de la cité, il produit des idées politiques. Je ne suis pas politicien de sang politique qui ne vit pas. Je ne suis pas comme ça. Je suis journaliste. Donc, je suis politique parce que je réfléchis sur la gestion de mon pays. Je ne suis pas politicien de la carrière que la politique, sans politique, il ne vit pas. Et pour la politique, il peut tuer, il peut tout faire, il peut tout vendre, pourvu qu'il gagne ce qu'il cherche. Non. Et lorsqu'il va gagner ce qu'il va chercher, il va vouloir maintenant récupérer ce qu'il a perdu. Pouvoir pour pouvoir. Non, nous, on n'est pas là-bas. Nous sommes dans la gestion. Nous sommes dans les orientations. La politique, c'est l'art de gérer une cité. Nous sommes dans la compréhension de cet art-là. Nous ne sommes pas dans la carrière aveugle, sans quoi il ne vit pas. Non, on n'est pas de cette école. En tout cas, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, tout en espérant que cette fois-ci, les choses vont se faire autrement. Bientôt, c'est le gouvernement. Et que nous aurons le choix, nous aurons à faire un choix, le Premier ministre et le Président alors, le choix sur les bons citoyens, pas citoyens dans le concept de Mbosso, des bons citoyens
et qui vont en tout cas travailler pour le pays tout en comprenant la vision du chef. Et pour ça, je plaide pour ceux qui l'ont compris, même dans le combat qu'ils menaient à l'opposition. Et maintenant, ensemble, ils pourront atteindre certains objectifs. Merci, au revoir.